Y'a quelqu'un? Oui. C'était quoi ça? Vous êtes qui? Je vous retourne la question. Moi, perso, je suis dans une pièce chelou avec des personnes qui dorment. Mais pas moyen de réveiller. Attendez, répétez. J'ai dit que j'étais dans une pièce chelou avec des personnes qui dorment et pas moyen de réveiller. Ok, ok, c'est bon. Vous êtes habillé comment? Jean noir, t-shirt gris et veste grise. Et vous? Veste kaki et pull marron. Ouais, bon, ok, je crois que je commence à comprendre. En fait, on vit la même chose, mais dans des dimensions parallèles. Des quoi? Des dimensions parallèles. J'ai déjà vu des trucs comme ça dans les films, mais du coup, il manque les deux autres mecs, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, ça commence vraiment à être flippant, ton histoire de trucs parallèles, là. Bon, du coup, vous êtes lequel? Veste noire, t-shirt blanc. Ok, c'est bon, je vois. Bon, c'est bon, vous avez fini de faire connaissance, là? Est-ce qu'on pourrait au moins se demander c'est quoi ce bordel? Je vous l'ai déjà dit. Oui, je sais, bidule parallèle. Dimension parallèle. On fait quoi maintenant? Ok, ça, c'était chelou. Ok, c'était quoi ça? De quoi? Attends. T'étais assise là? Ben ouais. Ok, je crois que je commence à comprendre. On est sur trois dimensions parallèles, d'où le fait qu'on s'entende, mais que dans chacune de nos dimensions, on voit chacun les autres dormir. Donc, nos voix sont liées d'un point de vue dimensionnel, mais pas que. Vu que la chaise bouge dans chaque dimension, les objets sont aussi liés dans chacune des dimensions. Bon, avant d'aller plus loin, on va se présenter. Moi, c'est Marco. Moi, c'est Théo. Moi, c'est Chérine. Bon, Théo, on va faire quelques tests. Ok, je suis censé faire quoi? Mets-toi au centre de la pièce. Derrière la chaise du milieu. C'est bon, j'y suis. Bon, tu vois ce feutre? Non, lequel? Regarde en direction de la porte. Ah, ça y est, je vois. Bon, je vais te l'envoyer. Tu vas l'attraper fermement, ok? Ok. T'es prêt? Je suis prêt. Putain, mais c'est ouf! Ok. Donc, on peut utiliser les objets pour interagir entre les dimensions. Bon, ok, maintenant, faut que je me trouve comment? Putain, mais c'était quoi ça? C'est moi, je me suis mangé que d'une bouteille vide. Je vois pas de bouteille là. Ouais, moi non plus. Ah, ça c'est bizarre. Ok, donc si vous, il y a un objet à moi que vous voyez pas dans votre dimension, ça doit être la même chose chez vous. Il doit avoir un objet qu'il n'y a pas dans les autres dimensions. À mon avis, c'est pas pour rien, il doit avoir trois objets bien spéciaux. Et du coup, ces trois objets pourraient peut-être être notre porte de sortie. Oh putain, ça peut marcher! Ouais. Bon, maintenant on fait quoi? Je mange pas de banane aujourd'hui. Je crois que lui va nous aider.